Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 45e épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui au mode mixolydien, donc mode du 5e degré de la gamme majeure. Mais comme vous le savez, moi on a envie de se focaliser sur chaque mode, c'est tout ça, c'est pour ça qu'on transpose tout en do. Voilà, donc ce mode, donc c'est un mode majeur, voilà. Et dont la particularité est en fait la septième mineure, voilà. Donc qui se joue sur des accords donc septième. Donc je vous le joue en do. Comme d'habitude, on ramène tout en do, hein, les gars. Donc fondamentale, tierce majeure, quinte juste, septième mineure. Ok. Donc et pour sa super structure, nous aurons seconde juste, quarte juste et sixte majeur, ok. Donc accord de septième et la superstructure, donc seconde ré, quarte fa, sixte majeur la, ok. Donc bon, c'est un mode très utilisé. Je pense même qu'il y a des gens qui l'utilisent sans savoir réellement que c'est un mode. Notamment vous l'avez bon dans le blues, puisque le blues n'est composé, enfin on va dire qu'à 70% le blues il est composé que d'accords de septième dans les cas les plus évidents. Et après il y a le blues suédois avec les déclinaisons bebop, etc., etc. Donc ça, peut-être que je ferai même un vlog là-dessus. Donc le blues suédois, c'est un blues qui est composé d'accords majeur 7 aussi, enfin donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. Je veux pas trop m'éparpiller. Donc on peut aussi le jouer sur un accord sus 4, c'est très utilisé. C'est voilà, dans le funk, funk, jazz, blues, vous avez énormément ce mode présent. Donc on va le décrire vite fait. Donc on va se le chanter aussi. Donc, grosse passe en do, donc fondamentale, seconde, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeur, septième mineur, fondamental, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si bémol, do, ok. Donc on va se le chanter maintenant, voilà. Donc je fais une grosse fondamentale en do. Imaginez-vous la fondamentale. Chantez-la. La seconde maintenant. Imaginez-la dans votre tête. Tierce majeure. Imaginez-la bien dans votre tête. Quarte juste. Quinte juste. Donc la quinte. Imaginez-la bien. Maintenant la sixte majeure. Maintenant la septième mineure. Imaginez-la bien dans votre tête. Et fondamental. Allez, on se fait tout. Okay.
Dur le saut d'octave. Ok, voilà. Maintenant, on va le faire sur la gratte. Bon, j'ai rien préparé encore parce que je suis un peu au taquet. Il va falloir que je monte. Petit problème de connexion aussi aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous l'aurez aujourd'hui la vidéo. Pour l'instant, j'ai rien du tout. J'ai pas de fibre, que dalle. Voilà, donc il n'y a pas de réseau. Il y a une panne dans le réseau. J'ai téléphoné à SFR. Donc, les gars, on va se faire ça sur la gratte maintenant. Donc, voilà, on va essayer de mettre ça en application sur la guitare. Donc voilà, boîte à rythme, je vais essayer de pas trop mettre de chromatisme parce que bon, j'en mets assez souvent dans mon jeu. Bon, voilà, je vais essayer de vraiment vous faire entendre la couleur du mode entre les punks que je vais faire, puisque bon, j'arrête de filmer parce que voilà, il faut que j'y aille. Les gars, allez, c'est parti, boîte à rythme. Thank you.
désolé les gars, hein, encore pareil, si vous êtes encore là, je vous mets un pouce bleu. Ouais, voilà, bon, je suis parti un peu en live, mais j'ai trouvé des bonnes idées en improvisant, et à un moment donné, je crois même que j'ai oublié que j'étais filmé, j'espère que j'ai pas bavé. Donc voilà, j'aime bien développer, enfin en tout cas, vite fait, je vous en parle, parce que j'ai l'impression que ça fait deux fois que je le fais un peu spontanément en ce moment. Comme je vous disais, j'écoute beaucoup de pianistes, notamment Brad Meldo, les gars, allez écouter ce gars. Brad Meldo, il fait un genre, il a réussi, pour moi, il a réussi à faire la synthèse entre le jazz, le classique et la pop musique. Vraiment, au niveau, quand on dit pop musique, je parle, il arrive à retirer la mélodie et l'harmonie de ça, et il en fait une œuvre réellement classique comme l'aurait fait Beethoven, parce que je pense, enfin c'est mon avis, après j'espère que certains ayatollahs de Beethoven vont pas me jeter la pierre, mais au niveau de la, si on prend le matériel de base d'une pop song, la mélodie, l'harmonie qui va en dessous, et encore l'harmonie peut être modifiée, on a quand même, si la mélodie est très forte, on a le matériel qui était présent dans une œuvre par exemple de romantique de Beethoven ou Liszt ou Chopin, peut-être moins Chopin mais Schubert par exemple, des gars qui sont des mélodistes, harmonistes très forts quoi, au niveau de, je parle pas au niveau forcément technique mais au niveau, bon ils ont tous été très très forts techniquement mais, et en retirer, enfin bon bref. Et Brad, il a réussi à faire ça, Brad Meldo, et lui il a réussi à faire une synthèse de tout, c'est-à-dire de Bach, même peut-être avant Bach, jusqu'à aujourd'hui, à transcender l'harmonie, la tordre dans tous les sens. Voilà, donc allez écouter Brad Meldo. Et donc Brad Meldo, bon, très puissance 10, puissance 10. Modestement, j'essaye de faire un peu ça, c'est son jeu qui m'a donné l'idée. Par exemple, il y a beaucoup de... Enfin, en fait, il garde une mélodie très rapide comme ça. Enfin, une mélodie, un plan très rapide. Par exemple, où... Bon, par exemple, comme on était en mode mixolydien, je vais le faire en mode mixolydien. Je suis pas sûr. Si je te gratte, c'est dur. Des trucs comme ça, et bon, tout à l'heure j'ai fait, je sais même plus ce que j'ai fait, je sais pas si j'ai pas fait un truc comme ça, peut-être ça, oui, voilà, j'ai fait ça tout à l'heure. Des trucs comme ça, ça peut être sympa, un peu à la Satriani, vous savez. Bon bref, je suis pas un spécialiste, je fais plus trop de tapping, j'en faisais beaucoup plus quand j'étais plus jeune et après j'ai un peu laissé tomber, je dois avouer, mais je pense que je vais redévelopper ça, et notamment il y a un des membres de la communauté du Guitar Vlog qui m'a demandé un sujet sur le tapping, donc je vais essayer de vous faire un truc sympa avec bon, le tapping traditionnel. Le tapping un peu à la ronta, ce genre de gars qui font des, vous savez. Des trucs un peu comme ça, vous savez, ou tapping après avec... Je ferai sur une autre guitare. Et après, bien sûr, tapping, bon, ce que j'appellerais polyphonique, c'est ce qui fait Satriani. Voilà. Ou en accord même. On peut voir ce que ça peut donner. Ça peut être sympa. Tapping, et ce que j'appellerais le tapping en contrepoint, ça serait d'arriver à faire deux mélodies en même temps. J'ai jamais travaillé, mais on va le travailler ensemble.
Alerte rouge, les gars, je travaillerai plus ce genre de matériel. Donc voilà, aujourd'hui, si vous êtes encore là, les gars, bravo, bienvenue à la fin de la vidéo. Il n'y a plus personne, tu sais, la salle, elle est vide. Il n'y a plus que le gars qui fait le... Tu sais, il n'y a plus que le gars qui fait le ménage, tu sais, à la fin. Et toi, tu... Bah, ouais. On aime bien délirer, vous savez, ici. On est là, pas pour... on n'est pas là pour se prendre la tête. Voilà, on est là pour prendre du plaisir ensemble. Donc, notamment, il y a Olivier, que je sais qu'hier, il a regardé jusqu'à la fin. Donc, Olive, si t'es là, personnellement, je te mets un pouce bleu aussi. Donc, voilà. Les mecs, les gars, je vous dis à demain pour la suite donc, de ces modes. Et puis, voilà, quoi. Voilà, je suis content, vraiment. Je suis heureux de... Hey, je suis heureux de vous avoir là, les gens qui commentent, qui suivent, ça me fait vraiment plaisir, les gens qui me remercient. Et encore une fois, c'est moi qui vous remercie les gars, parce que ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça, que je puisse éventuellement aider des personnes. Et des personnes, du coup j'ai rencontré un super Boris, donc super musicologue. Quoi qu'il en dira, bon, il dit qu'il n'est pas musicologue, le gars il envoie du lourd quand même, niveau culturel à ce niveau-là. Il m'a donné notamment la référence d'un ouvrage que j'ai déjà commandé sur Amazon. Voilà. Donc une fois que moi j'aurai les sources exactes, etc., je vous ferai encore une fois des super trucs. Je citerai mes sources pour que vous, éventuellement, vous achetiez ces livres-là. Parce que ça vaut toujours le coup après de se faire sa propre idée. Et puis après, du coup, on pourra en discuter ensemble. Voilà, ça sera d'autant plus enrichissant. Bon les gars, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Franchement, je vous remercie beaucoup pour ces encouragements, pour tout ce boulot, pour ça me fait vraiment plaisir. Voilà, ça vient vraiment du fond du cœur ce que je vous dis là. Donc voilà. Allez, à demain les gars. Bye.